Bonjour à tous, je m'appelle Franck Mecca, je suis scientifique et je me spécialise dans l'intelligence artificielle. Cela fait maintenant 2 ans que je travaille sur le projet Isaiah et je suis très heureux de pouvoir enfin vous le démontrer aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'Isaiah ? Isaiah est une puce artificielle qui permet de combler les déficiences moteurs et neurologiques. Ayant moi-même été handicapé beaucoup plus jeune, aujourd'hui, je suis très fier de prouver devant vous, debout, l'efficacité d'Isaiah. Ça va, ma chérie? T'oublies pas que tu dois emmener ta fille demain chez le médecin. Hein? Comment ça, il me semblait que c'était toi qui devais l'emmener? Non mais sérieux, mais c'est toujours la même chose avec toi. T'avais juste une chose à laquelle penser? Oui, bah excuse-moi, mais j'ai une réunion très importante demain, donc je pourrais pas l'emmener. D'accord, donc c'est encore moi qui vais devoir me taper l'aller-retour. Bah quoi. Ouais, c'est encore toi. Tu fais chier, sérieux? Oh putain, mais ferme ta gueule, tu te casses plus en ce moment, toi. Mais tu oses me parler comme ça devant ta fille? Suite à une pénurie de baphélénium, la production de puces a été arrêtée il y a 17 ans. Ainsi, seulement 109 personnes ont pu bénéficier de l'invention de Franck Mecca. Allô? Coucou Iris, tout va bien? Ah ça va, je viens de me lever là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu sors quoi? Juste moi qui passe là. D'accord, super. Bon bah écoute, passe une bonne journée ma chérie. À ce soir? Ouais, bah ouais, à ce soir. Bisous. Je t'aime. Jean? Écoute, Isabelle, j'ai bien réfléchi, il faudrait qu'on dise à Iris. On a pas le choix. On a le droit de savoir maintenant. Je suis pas encore prête. Écoute, faut que j'aille en réunion, je te laisse. Salut. Dans nos légendes, nous voyons une toute nouvelle génération de... Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons. La liste des 109 personnes ayant obtenu Isaiah a été piratée cette nuit par un groupe de hackers nommé MOH6. MOH6, Mondial Organization of Hackers, est un groupe qui a des antécédents depuis plusieurs années maintenant, dont la seule motivation est l'argent. Depuis que la liste a été piratée ce matin, 3 corps détenant la puce ont été retrouvés décapités. Les 109 personnes restantes ne sont malheureusement plus en sécurité. Nous vous conseillons de rester cachés jusqu'à ce que les forces de l'ordre s'occupent de la situation. Putain. Comment ça, c'est qui? Grosse pute, vache. T'as ma thune? T'as ma thune? Putain, t'as un peu de temps encore. Putain, t'as un peu de temps encore. Ça fait une semaine, putain. Je t'ai jusqu'à demain 8h, t'as compris?
t'as pris ton temps. T'étais où? Ouais, il fallait que j'aide ma mère à la maison. Ouais, c'est nouveau ça, que t'aides ta mère. Et vous avez fait session jardinage ensemble là ou quoi? Ouais. Ouais, en fait, elle a acheté une nouvelle plante et du coup, il fallait que je l'aide. Ouais, d'accord. Bon, allez, rentre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, ça va. Hey, t'as vu pour Isaiah? Non mais c'est complètement dingue cette histoire. Je me suis dit que tu tous ces gens juste pour revendre la puce et se faire de l'argent. Et Thomas, t'es avec moi là? Ouais, je suis désolé. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu te rends compte? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Et je vais te dire un truc, et bah, ceux qui les achètent, ils sont tout autant coupables. Ouais, enfin, attends. Tu trouves pas ça injuste que certaines personnes aient eu le droit à la puce et d'autres non? Si, mais c'était pas prévu. Il y a une pénurie de morphinium. Pénurie de morphinium, d'accord, mais c'est normal que certaines personnes ne le comprennent pas et veulent aussi en profiter, non? Ok, mais là, Thomas, je sais pas si tu te rends compte, on est en train de parler de personnes qui sont en train de se faire tuer. Je sais pas si tu te rends compte de la situation. Ouais, c'est moi qui me rends pas compte. Tu sais quoi, ça me saoule. J'ai plus envie d'en parler, je vais me fumer un club. Écoute, Chloé, j'ai été bien gentille de t'accueillir ici, mais là, ça suffit. Tu ne pêches jamais en temps et en heure. Cette fois, t'as été trop loin. Je ne veux plus de toi ici. Mais vous pouvez pas me virer comme ça? Comment ça, je peux pas te virer? Bien sûr que je peux. Dois-je te rappeler que notre petit arrangement n'a rien d'officiel? Allez, ramasse tes affaires et va-t'en, là. Allez! Des questions? Oui? Comment avez-vous réalisé cet exploit? Que contient cette puce? C'est du maphélinium. C'est la découverte de ce nouveau matériau qui m'a permis de faire fonctionner cette puce. Qui m'a permis de faire évoluer les... Mais...